YouTube, bonsoir la rediff. On est reparti sur A Space for the Unbound, un jeu indonésien qui nous fait de l'œil, un jeu narratif. Donc, si vous êtes venu pour le gameplay, ça va pas être la folie. Hein. Je le dis tout de suite, ça va pas être la folie. Par contre, on va faire un truc tout de suite, c'est enlever ça parce que je sais pas ce qui c'est. Il a merdé, il y a plus que la moitié du cadre. Donc du coup, on l'enlève. Allez, donc on est parti. En combien d'années? Ah ben je sais pas, pareil. Bah, l'année de... ouais, ça a été très rapide hein, pour les 20 millions. Hein. C'est énorme hein, 20 millions, hein. Je sais pas si tu te rends compte, genre. Enfin, la nuit était froide, la princesse d'étoiles du sud faiblissait et le chat s'inquiète. Salut Arthur, bonsoir à toi. Mia princesse, vous semblez malade. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne m'y a pas, miaula-t-il? Ah, j'ai pas pris de bouteille d'eau. C'est un jeu narratif et il va me falloir une bouteille d'eau. J'irai en chercher tout à l'heure. La princesse leva les yeux vers le ciel nocturne et pensa « Il est temps de dire adieu de quitter ce monde. » Oh non ! C'est triste déjà. Je dirais si le jeu est trop fort ou pas assez fort. Une belle aventure encore. Bah écoute, on va voir. J'ai quelque chose pour toi, mon cher ami, dit-elle, un cadeau d'adieu. Je t'offre mon dernier miracle. Oh, c'est beau. Quelque chose se mit à briller de mille feux au creux de sa main, le miracle. Le chat resta sans voix, sidéré, il se mit à sangloter. Oh Mia princesse, non, je ne veux pas Miaou quitter. Miaou quitter. Oh, miaula-t-il, ok. La princesse sourit et fixa ses yeux pleins de larmes. Tout le monde a souhaité mes miracles, mais tu es le seul qui ne m'ait pas abandonné. Merci d'avoir été mon ami. Oh, je ne peux pas. Moi non plus. Ok. La nuit était chaude et claire, la lumineuse princesse se changeant en poussière d'étoiles. Il s'envola vers les cieux. Mais sa lumière demeura au cœur d'une belle fleur jaune. Resté seul, le chat se lova contre elle. Ah oui, j'ai pas précisé, je l'ai pris sur Switch le jeu. Je l'ai payé, je crois, 20 euros. Quelque chose comme ça, je sais plus. Je sais déjà plus, j'ai acheté tout à l'heure, en début de journée, donc je crois que c'était 20 euros. Et on est sur Switch, pour ceux qui se posent la question. Ô princesse, le monde ne te mérite pas. Je sais. Bon, qu'en penses-tu, monsieur le co-auteur? C'était super, ton histoire était si émouvante, j'ai hâte d'entendre la suite. L'univers, l'aventure et les personnages, j'aime tout. Mais celle que je préfère, c'est la princesse. Oh ouf, je suis contente que tu aies aimé. Je n'étais pas très sûr de moi, ça m'inquiétait. Au début, je pensais transformer la princesse en comète. Oh non, en fleur de machin, c'est bien là, en poussière d'étoile. Et elle aurait détruit la planète et dévoré les créatures qui ont volé ces miracles. Mais c'était une fin plutôt violente, j'ai abandonné. Oui, c'est mieux. C'est mieux ce qu'elle a fait, du coup. Oui, je pense que ça n'aurait pas collé avec le reste. Oui, j'ai l'impression aussi. Qu'est-ce qui t'a donné cette idée de comète? Eh bien, la nuit dernière, j'étais très inquiète. J'ai regardé le ciel pour trouver l'inspiration et j'ai vu une comète traverser l'horizon, brillant de mille feux dans la nuit noire. Oh mince, j'aurais aimé être réveillé. Je n'arrive pas à croire que ça finisse comme ça. Ils doivent être frères et sœurs, eux. Quel destin tragique pour la princesse. Ou amie, juste amie, peut-être. Sort déjà avec l'idex. Ah, ça va. Est-ce que tu veux entendre le dernier chapitre? Dernier chapitre? Ah, ce n'est pas fini? Non, c'est surtout un épilogue. Mais on peut se dire que c'est le dernier chapitre. Je voulais raconter la dernière aventure du chat. Le chat. La fleur jaune va... bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, elle sait pas, elle invente à mesure. Je n'arrive plus à penser à quoi que ce soit, je sèche. Ouais, comme moi et ma gorge. Tu lis bien les... les histoires. Ouais. Ah bah j'ai appris à lire quoi. Je l'avais sur le bout de la langue. Ah j'aime beaucoup les Frosties. Frosties c'est dans le top 3 des céréales. Mais je mange plus de céréales. Produits industriels, sucrés. On a tout coupé. On a tout coupé. Je l'avais sur le bout de la langue. On pourrait sortir prendre l'air. Mais si, sinon c'est dans le top 3 céréales. J'aime beaucoup les Chocopop. Je sais pas si ça existe encore, mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas acheté de céréales. Donc voilà.
Bon, pour que tu puisses retrouver tes esprits. Combien on est d'ailleurs on est là. On est 8. On est nombreux 8 donc. Bon, d'accord. Bon, avant toute chose, je vais aller me chercher une bouteille d'eau parce qu'ils me font parler. J'arrive tout de suite. Bien, me revoilà. Vous voyez, c'était pas long. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On peut lui parler. Vite, 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 vite. Ok, on va avoir plein de... Allons prendre l'air dehors. Alors, on peut courir. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Rien. C'est un jeu narratif, hein. Il y aura pas de... Normalement, il y aura pas de bagarre, hein. Il y a des petites animations sympas, écoutez. Des petits gimmicks avec les petites traces de poussière quand on court. Non, c'est sympa. C'est sympa, c'est sympa. Alors, pourquoi est-ce que... Ah, c'était flèche du haut. Et puis, le jeu est mignon. Le jeu est mignon. C'est pas... Voilà, mais... le pixel art est plutôt correct. Alors, tu te sens mieux? Je ne sais pas. J'aime beaucoup les cadres des bulles. Les bulles de dialogue, j'aime beaucoup les cadres, je les trouve très sympas. Et la police, ça va. Ça aurait pu être... mais ça va, c'est raccord, c'est raccord. Qu'est-ce qui s'est passé? L'angoisse de la page blanche, Je ne sais pas, quand j'y pense, ça me terrifie. À tel point que je n'arrive pas à savoir quelle histoire je veux raconter. Ça, c'est l'angoisse de la page blanche. Peut-être que c'est le moment d'utiliser le livre rouge magique. Magique? Rouge? Mais quoi? Livre rouge magique, t'en souviens pas? Le livre qui contient la formule magique du plongeon pour entrer dans le cœur des gens et les soulager de leurs tourments. Ok. Ah oui, le livre rouge magique, bien sûr. C'est quoi, c'est le Vidal? Oui, il est utile de temps en temps. Où est-il? J'ai oublié où je l'ai mis. Désolé, je suis si étourdi. T'inquiète pas, je vais t'aider à aller chercher le livre rouge magique. J'ai dû le laisser quelque part par ici. Cherche quelque chose de rouge. D'accord. Alors, c'est pas ça, hein, j'imagine bien. Examinons. Qui a bien pu afficher une page de magazine de jeux vidéo ici? Voyons voir. Appuyez deux fois sur... Non. Deux fois sur droite ou gauche pour courir. Ah, mais je cours avec le B, moi. Un classique du tenu. Ouais. Et si je cours avec B, ça fait pareil. Je crois que j'ai trouvé le livre magique. Donc on peut interagir, ok. J'ai trouvé un livre rouge, ça doit être le livre rouge magique. Sûrement. Donc on a récupéré le livre. Ok. Alors c'est un jeu indonésien, hein, mais on va... je sais pas si je l'ai dit, ouais, c'est un jeu indonésien. Et les décors... Alors moi, il n'y a que ce que j'ai vu à la télé, hein, de l'Indonésie, parce que j'y suis jamais allé. Mais ça sonne très indonésien, forcément, dans l'esprit et dans les décors, ce qui me paraît logique, hein, puisque le jeu est indonésien, comme je viens de vous dire. Où vas-tu? Ouais, je l'ai trouvé, mais je voulais voir un petit peu ce qu'il y avait. T'énerve pas. Ok. Allez. Ah, t'es pas en ton... Bah oui, bah, faut faire attention. Moi, je vais engueuler bien pareil, hein, je te le dis, genre. C'est ça que tu cherches? Le livre rouge magique, tu l'as trouvé? Vas-y, essaye de l'utiliser. Mais j'ai peur de l'utiliser toute seule. Mais qu'est-ce que c'est que ce livre? C'est un dictionnaire, c'est quoi? Peux-tu m'aider au grand co-auteur magique et mystique? Allez, 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 allez! Oula, du calme, d'accord. On continue en CP, une fois arrivé en soi, on savait lire couramment. Bah, on lisait, quoi. Dis-moi comment faire, je m'en souviens pas. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes, moi je vois mes filles par exemple, qui bafouillent un mot sur trois, quoi. C'est compliqué. Et moi je trouve que c'est important de savoir lire correctement. Non, j'en ai une, ça va, et l'autre c'est plus compliqué. Quand tu la vois, tu n'as plus qu'à ouvrir le livre. Quand je vois quoi? Une fleur qui danse au-dessus de la tête de quelqu'un. D'accord. Crois-moi, c'est le pouvoir du livre rouge. Ah, on va pouvoir lire les pensées des gens, d'accord. Et donc j'ouvre simplement le livre, c'est tout. Pas besoin de danser ou réciter une formule. C'est tout. Dépêche-toi, essaye.
D'accord, débarrassons-nous de ce qui t'effraie. Et trouvons le dernier chapitre de mon histoire. Ok, ça va être une sorte de métaphore de... Avec le livre, on peut faire des plombs. Mais j'ai lu que c'était un livre sur l'anxiété, la dépression, tout ça. Le suicide, je crois. Enfin... Donc on va voir un petit peu de quoi il en retourne. Donc c'est pas un livre rose. Alors qu'est-ce qui t'effraie, petit bonhomme? J'ai peur. Trop peur pour réfléchir au dernier chapitre. Est-ce que je pourrais y trouver? J'ai peur de ce qu'il y a après. Et s'il était mauvais, tout le monde pensera que je suis bizarre. J'ai jamais rien terminé. Dernier chapitre, est-ce que je vais y arriver? Millie non tombe, elle finit ses livres et moi je le trouve bizarre aussi. Hein. Interagir. J'ai trouvé une clé, je me demande ce qu'elle ouvre. Les portes de l'esprit. Ils ont la clé. Okay, une espèce de point and click. Ah, ça c'est ses peurs, d'accord. Ok, qu'est-ce qu'il faut faire du coup à la fleur? On l'arrache? La nuit était chaude. On arrache la peur ou quelque chose comme ça? La nuit était chaude et claire, la lumineuse princesse d'étoiles du sud se changeant en poussière d'étoiles. Il s'envola vers les cieux. Mais sa lueur demeura dans une belle fleur jaune. Elle a popé. Une belle page de... Ouais. J'ai trouvé une idée, ça pourrait être utile. Ah bah oui. Ça serait bien si on avait des idées comme ça tout le temps. Je t'amène ton... Une idée, mon ami. Une idée sur papier. Cette histoire, bah oui, c'est la tienne. J'ai toujours peur, mais ça... Est-ce que je devrais raconter cette histoire? Est-ce que je peux la finir? Ouais, c'est ça. Et voilà, tu peux finir ton histoire. Impeccable. Oh, je n'avais pas réalisé qu'on avait marché si loin. Faites voir un petit peu à quoi ça ressemble, les paysages d'Indonésie. Campagne indonésienne. Parce que ça se passe en campagne indonésienne. Je veux voir un petit peu à quoi ça ressemble. Image sur Google. Ah ouais, c'est typiquement ce que je suis en train de voir à l'écran. Ouais, ouais. Ok. Donc, ils ont bien réussi à prendre l'essence de leur pays natal. Ah, vraiment, c'est bien rendu. Hein. C'est du good job, comme on dit. Alors, j'avais pas réalisé qu'on avait marché si loin. Ouais, tu ne trouves pas ça incroyable? Grâce au livre magique? Si, c'est... Si, comme si je flottais dans l'espace. Presque comme si j'étais hors de mon propre corps. C'est quoi? Il faudrait donner un nom à ce qui se passe quand on utilise le livre magique. Je dirais plongeon spatial, ça sonne cool, non? Ça sonne cool. Plongeon spatial, oui, c'est sûr que c'est cool et informatif. Informatif, je sais pas. Si vous voulez... Mais oui, tu plonges dans l'espace de mon cœur, le plongeon spatial. Et alors, est-ce que ça t'a aidé? J'ai décidé que je devais écrire dans le dernier chapitre. Ah, j'ai décidé ce que je vais écrire dans le dernier chapitre. Pardon, j'ai raté un mot. Oh, super, c'est vrai? Oui, la grande étoile bleue. La grande étoile bleue? Oui, la grande étoile bleue qui l'attend. Lorsque la princesse est morte, son dernier souhait était d'y retourner. C'est là qu'elle devait être. Et le chat doit l'escorter? Exactement. Je pense que ce sera une aventure très intéressante à écrire et à illustrer. L'avis de monsieur le co-auteur est toujours aussi utile. Oh non, c'est toi qui as inventé l'histoire de la princesse. Mais si, c'est notre histoire, on l'a créée ensemble. Si tu le dis, bon. Hourra! Mission accomplie. Allez, au dernier chapitre. Oui, le dernier chapitre. Qu'est-ce qui nous manque pour finir l'histoire? Un vaisseau spatial. Ah oui, bah oui, si on va aller sur la planète bleue, là, je sais plus ce qu'il a dit. Machin bleu, en tous les cas. Bon, à la fin, la princesse d'étoiles et le chat partent explorer l'espace ensemble dans leur nouveau vaisseau. Et la bonne nouvelle, c'est que je l'ai déjà construit. Quoi? Et quand est-ce que... Je peux le voir, où est-il? Ouais, ça fait 3 semaines que j'y travaille après l'école. Je voulais te faire la surprise.
Je l'ai évidemment construit dans mon atelier super secret de l'autre côté de la rivière pour que tu ne le trouves pas. Tu as traversé la rivière toute seule, mais c'est trop dangereux. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà fait l'aller-retour plein de fois. Et regarde, je suis toujours là. Bref, il me faut une dernière pièce importante pour compléter le vaisseau. Un objet assez magique pour le propulser à travers l'espace. Et quel est cet objet? La baguette magique de la princesse d'étoiles, évidemment. Mais ça me fait beaucoup penser à Dordogne pour l'instant. Un jeu narratif où on va faire des petites choses, des petites scènes de vie. Ouais, j'ai l'impression. Ça va être un petit peu pareil. Dans l'esprit, hein. Après, bien sûr, ça va être complètement différent. Mais je l'ai laissé à la maison. Mince, est-ce que tu veux qu'on y aille, qu'on aille le chercher? Non, non. Je peux pas y aller pour l'instant à la maison. Et pourquoi? Ça ne va pas. Mon père. Ah. T'inquiète pas, la baguette magique est dans ta chambre. Je vais aller la chercher. Tu es sûr? Tu en as déjà fait beaucoup aujourd'hui. Et si quelqu'un te voit, on pourrait te prendre pour un cambrioleur. Pas de soucis, je me faufile comme un chat. Je suis désolé de t'imposer ça. Je t'assure que ce n'est pas grave, je suis prêt à aider, mais... Tu dois me promettre que tu vas pas traverser la rivière seul. On a commencé ensemble, on va finir ensemble. Tu as raison, je te promets de t'attendre. Est-ce que tu te souviens où est ma chambre? Ça a l'air mal se passer à sa maison. Hein. Ça ressemble à Saint-Exu... Ouais, il y a de ça aussi, ouais, effectivement, Julien. De 4-5 ans pour ma mère et 4 ans pour ma grand-mère. Oh non, moi, 4-5 ans, je pense pas que je lisais... Enfin, je pense pas, peut-être, mais je crois pas. Hein. Alors, remarquez, j'ai des souvenirs de lecture assez tôt. Mais 4-5 ans, ça me paraît vraiment tôt, mais... Ah, pas pour moi, en tout cas. Je pense pas pour moi que c'était aussi tôt. Elle est au deuxième étage, la baguette magique doit être sur mon bureau. Et une dernière chose, si tu te perds mon chat bosque, bosqué. Miaou, bien reçu. Bonne chance, je t'attends ici. Je devrais plutôt m'attendre à la base. Ce n'est pas très sûr par ici. T'as peut-être raison, mais l'air est si frais. Je pourrais trouver l'inspiration pour le dernier chapitre. D'accord, mais pas trop longtemps. Ok. Et une dernière chose, encore. Encore une dernière chose. Bon, t'inquiète pas, je reviens. Je voulais dire autre chose. Mais quoi? Allez. Merci pour tout. Mais tu nous l'as déjà dit. Je reviens vite. Bon, allez. Donc, on va aller à sa chambre. On va chercher la baguette. On peut caresser le chat? Évidemment. Évidemment. Oui, mais je peux partir. Eh oui. Spider-Man 2, non, il sera pas... Non, il est que sur PlayStation. Hein. PC non plus. Ah, c'est par là qu'il faut aller, d'accord. Eh non, mais là, c'est d'où on vient. Ouais, mais attendez, ça, c'est la base. On s'est perdu. On s'est déjà perdu. Ça doit être par là, là. Ouais, ouais. Oh, il y a une fille. Attendez, on va aller voir la fille, là. Ah, mais c'est là. Merde. Comment je fais pour lui parler? Je ne peux pas. Je peux pas lui parler. Ok, tous les chats même. Lui, on peut pas lui parler. Elle non plus. On va pas caresser tous les chats quand même. C'est forcément un trophée de caresser tous les chats, mais... En même temps, sur Switch, il n'y a pas de trophée, donc on s'en fout un peu. C'est le plaisir. Alors, on trouve la maison, mais... Doucement, mon gars, il y a déjà une sacrée circulation. Mais c'est peut-être pas par là, sa maison aussi. Mais pourquoi est-ce qu'ils l'ont mis si loin? Pourquoi l'ont-ils mis si loin? Attendez, je veux pas parler à tout le monde. Hein. Je cherche la maison, moi. Ok. Ils veulent manger des trucs piquants. Ah bah non, ça arrivera jamais sur Xbox, évidemment. Déjà sur PC, je crois que c'est que dans un an ou quelque chose comme ça. Elle lui croit à l'apocalypse. J'ai vu ce qui est arrivé cette nuit. La comète de l'apocalypse est là. Ah, c'est la comète qu'ils ont vue. Une pierre précieuse taillée dans une météorite. Eh ben, ça nous sauvera. Peut-être.
Cette pierre a été taillée par le célèbre oracle Jayabaya en personne. Ah bah si c'est le célèbre oracle. Ah bah on va être maudit. Toujours sympa. Bon, comment je vais faire du coup? Ah lui il me suit du arrière, qu'est-ce qu'il me dit? Il n'a toujours pas fait ses devoirs. Ok. Comment je vais me faufiler? Mais c'est par là vous croyez ou je suis parti à l'opposé? Je suis parti à l'opposé. Yo mec, t'en penses quoi? Hein, que comment? Le son de Kero Kong. C'est une compile que j'ai enregistrée. Ah, je sais pas qui c'est, mais c'est super cool, mec. Ah bah, il est content. Tout le monde n'est pas fan de Kero Kong. Surtout de nos jours. C'est un vieux genre musical que les colons ont apporté et qu'on a perfectionné. Ça détend, tu vois, c'est parfait pour les gens qui veulent se relaxer et penser à autre chose pendant un moment. Ok. Musique d'ASMR. C'est quoi? Tu peux prendre ma cassette, c'est offert. Ah non, c'est pas la peine. Je t'en prie, mec. C'est tellement rare de rencontrer un autre fan de Kero Kong. Pas vrai? Ah bah ok, je te la prends. On a un objet clé. Je comprends pas vraiment qui rencontre ça. Mais je pense que c'est... Bon, du coup. On est à la recherche de la baguette. Dans quelques mois, voire un... Ouais, je pense plutôt un an. Je peux monter là-dessus. Il y a un mot sur escabeau. Propriété du ministère de la Défense. Ouais, il vaut mieux pas y toucher alors. C'est la troisième comète en peu de temps là. Ah ouais d'accord. Oh il va y avoir des trucs. Bon alors. Ouais mais attendez moi je cherche la maison. Ah bah là c'est fermé. Donc on est arrivé au bout du chemin. Mais vous croyez que c'était l'autre qu'on voyait là-bas tout à l'heure? C'est la même fille? Ah mais il n'y a jamais eu de partenaire. Sa maison devrait être par ici. Putain, mais ils l'ont mis loin, la maison. Cela dit, la ville est très sympa, hein, franchement. Les environnements qu'on a traversés, c'était très, très, très sympathique. Mince, il y a quelqu'un. Bonjour, Madame Dewey. Vous allez à la réunion? Nous pouvons y aller ensemble. Bien sûr, votre fille ne vous accompagne pas? Non, elle n'est pas là. Que se passe-t-il? Quelque chose ne va pas? Ma fille, ces derniers temps, elle a peur d'aller à l'école. Ah, elle a une phobie scolaire. Et mon mari, ça ne se passe pas très bien avec son patron. Il est assez stressé d'avoir dû emprunter de l'argent pour envoyer Nirmala à l'école. Et il passe ses nerfs sur Nirmala. Oh. Aujourd'hui, elle s'est enfermée dans sa chambre et elle refuse de nous parler. Mon Dieu, je ne sais pas quoi faire. Oh, je suis navré de l'apprendre. Pourquoi a-t-elle peur d'aller à l'école? Bah, je sais pas, j'aimerais poser la question à quelqu'un, mais je vois pas comment l'aborder. Si vous le voulez, nous pouvons partir en avance pour la réunion et en parler en chemin. Mm-hmm. Version corrigée. Est-ce que, oh, bah, tu peux refaire le jeu même. Tu peux le corriger tant que tu veux. Franchement, ça reste pas fameux sur le global hein, de la SKSOB Unifi. Ouais, c'est une bonne idée, merci. Je vous en prie, vous pouvez me faire part de vos soucis. Les voisines, ça sert à ça. Ok. Donc nous, c'est bon, maintenant on peut passer. C'est le moment. Ça doit être sa maison. Ouais, j'ai bien compris. Ah, on va passer par la fenêtre. Ok. Il faut qu'on escalade la grille. La grille est fermée, mais son père doit être à l'intérieur. Ça serait risqué de passer par la porte d'entrée. Je devrais peut-être prétendre que je viens rendre visite à Nirmala. Je peux pas prendre le risque que son père Alice qu'elle est sortie en secret. En plus, il va me prendre pour un lycéen pervers qui vient voir une petite fille. Enfin, c'est trop risqué, mais je dois récupérer cette baguette magique. Qu'est-ce que je peux faire? Passer par le toit! Depuis combien de temps es-tu là-haut? Bien sûr, cette fenêtre au deuxième étage doit donner directement dans sa chambre. Il faut pas tomber sur la chambre d'une autre fille, parce que là, c'est... C'est un petit peu bizarre, là, un lycéen avec une petite fille, ouais, j'avoue. Comment suis-je censé atteindre le deuxième étage maintenant? Ben, en escaladant. Je devrais pouvoir atteindre l'escaladant ce mur. Mais il est trop haut pour moi. Ok, donc faut que j'aille chercher l'escabeau. L'escabeau, je pouvais pas le prendre. C'est propriété de la défense. Si je le prends, je vais me faire déchirer la teuté, là.
Ok, bon bah prenons ça là. Hey gamin, qu'est-ce que tu fais avec mon escabeau? Je le trouve tellement impressionnant, monsieur. Wow, qu'est-ce qu'il a l'air solide et métallique. On le prend pas pour un con, mais t'as fumé quelque chose. Ah bah ouais, exactement. T'as pas intérêt de causer des problèmes, on touche pas à mon escabeau. Vois pas que je suis déjà bien occupé. J'aimerais tellement dormir un peu, cela dit. Bah, cet escabeau me serait bien utile pour atteindre la chambre de Nirmala. Ah, qu'est-ce qu'il arrive? Ah, voilà, faut que je livre, que j'aille dans son livre. Ok. Plongeon spatial dans la tête de cette personne et on va l'aider à résoudre tous ses problèmes. Donc on va faire le psychologue tout le long du jeu, j'ai l'impression. Ah, le téléphone sonne. Ah ouais, faut que j'éteigne le réveil. Ouais, parce qu'il a sommeil en fait. Quel étrange réveil. Ah, faut que j'éteigne la lumière. Vas-y, dors. Si fatigué, c'est parce que je suis resté debout cette nuit pour voir la comète. Comme j'avais des choses à faire, ça m'a gardé éveillé, mais à présent, je pourrais dormir pour toujours. Et je n'arrive pas encore à m'endormir. Pas sans arrêter cette forte sonnerie. Ouais, la lumière, c'est bon. La musique de Kero Kong. Ah, ben voilà pourquoi on récupère la cassette. Je peux pas l'éteindre? Si, ça y est, fallait qu'ils me le disent. Putain, mais... Ah, mais c'est bon, attendez, je vais mettre la cassette dedans. Ouais, mais j'arrive pas à l'éteindre, le réveil. C'est le problème, c'est que j'appuie dessus, mais il se passe rien. Alors, est-ce qu'il me manque un appareil? Matraque. Bah voilà. Voilà, tout simplement. On est délicat. On est psychologie délicate. Ah bah voilà. Ceci dit, entre nous, réveil pas très solide quand même. Réveil pas très solide. Allez, il va fermer les yeux. Très bien. Oh, le jeu est cool pour l'instant. À voir ce que ça raconte à long terme, mais pour l'instant, c'est sympathique. On voit ce qu'ils ont voulu faire. Et c'est très beau. Hein. Enfin, j'aime beaucoup ce pixel art. Hein. Et voilà, il s'est endormi. Hop, et du coup, on peut récupérer l'escabeau. Regardez ça, on l'a mis dans notre chemise. Chemise magique. C'est une façon radicale de l'éteindre. Ah bah là, ouais, c'était radical. Donc l'escabeau. Ok. Donc on se faufile dans les chambres des filles, hein, comme comme de bon, c'est très bien comme ça. Je me demande toujours où elle trouve toutes ces incroyables idées. Quelle fille ingénieuse. J'ai trouvé la baguette magique. Oh, putain, par contre, faut que je me casse. Parce que le père, il va nous défoncer. Là. Sale gosse, ouvre cette porte. Espèce d'ingrate. Qui t'a autorisé à fermer la clé? Tu sèches encore l'école, pas vrai? Ouvre cette satanée porte. Encore en train de faire tes petits gribouillis et d'écrire tes âneries. Mais sors vite, toi. Est-ce que t'as une idée de tout l'argent que j'ai dû emprunter pour te mettre dans une bonne école? C'est comme ça que tu me remercies, espèce d'enfant gâté. Mince, c'est tendu par ici. Je ferais mieux de filer avant qu'il enfonce la porte. Oui, bah oui. Merde, il pleut. Oh, on va tomber du toit, mec. C'est l'abri. On peut passer comme ça? Non, on peut pas. Non, ça va, il a réussi. Ah mais non, mais je peux pas récupérer l'escabeau? Pour le rendre à l'autre? Ah ouais, l'autre il va avoir des problèmes du coup, mais on est vraiment une merde. Super ce jeu. Oh, je sais pas s'il est super, mais on va voir. Hein. Mais ça démarre bien. Ça démarre bien. C'est pas prise de tête. Un petit jeu du dimanche, tranquille. Sur Switch, ça c'est excellent. Hein.
Parce que du coup, tu passes tranquillement. Il pleut de plus en plus fort. J'ai un mauvais pressentiment. J'espère qu'elle est arrivée à la base. Ça, c'est typiquement le genre de jeu sur Switch en portable. Tu te mets dans le lit, tu fais des sessions de 30-40 minutes. Ça, ça a l'air perfecto. Je sais pas comment ça sauvegarde. Ah, j'aime beaucoup l'ambiance, en tout cas. Si l'Indonésie, c'est comme ça, ça donne envie d'y aller. Je connais pas du tout. Hein. J'en ai vu quelques extraits à la télé de l'Indonésie. Tout ça. Je crois que c'est un pays musulman, si je dis pas de bêtises. Ou je confonds avec un autre, mais il me semble que c'est un pays musulman. Vous me confirmerez ça, ou m'infirmerez. Ça, c'est de là d'où on vient. Ah oui, là, il y avait l'ouvrier. Ouais, on vient de là. Alors, est-ce qu'elle est... C'est là, la base, ou la base plus loin? Non, c'était ici, ouais. Il y a sa autre base. Et elle est pas là. Elle aurait dû être là. Ah, elle est pas encore arrivée. Au secours! Hein? Qu'est-ce qui lui arrive? Au secours, s'il vous plaît! Cette voix, c'est... C'est Nirmala? Mais attendez, c'est vraiment elle ou... Ou elle nous fait encore une blague? Ou c'était dans le truc derrière les... Parce que là, j'ai pas pu l'entendre de si loin, quand même. Ah si, je l'ai entendu de vachement loin, quand même. Au secours, arrête, je sais pas nager. Nirmala, on lui avait dit de pas y aller. Aide-moi, je sais pas nager. Et oh non, moi non plus. Mais bien. Tiens bon, je vais trouver quelque chose. Fais vite, je t'en supplie. Je vais pas tenir longtemps, j'ai peur. Avec la baguette magique. Essaye d'attraper ça. Ça, c'est trop court. J'aurais dû garder l'escabeau. Oh, c'est beau. Et elle est tombée à l'eau. Ok. Ah, c'est la baguette qui est tombée. Ah, j'ai cru que c'était elle. Désolé, j'ai été surprise par un tonnerre. Ah, du coup, elle a fait tomber. Elle a lâché le bateau. D'accord. T'inquiète pas, je vais te sortir de là. Tiens bon. Essaye d'atteindre le livre. Attention, hein, tu y es presque. Allez, on y croit. Ah, ça s'est pas passé comme prévu. C'est la noyade. On va s'en sortir. Ah oui, là c'est la demeure. Hein. On a une histoire à terminer. Ouais, mais là c'est la merde. Non. Là, c'est la merde. Écoutez, une superbe intro. C'était une très très bonne introduction. Ils sont devenus bons hein, dans le jeu vidéo d'une manière générale sur les introductions. Je trouve que maintenant ils font de l'excellent travail. J'aime beaucoup cette tendance d'introduction comme ça avec un générique après qui arrive, tout ça. J'aime bien. Quand c'est bien fait... C'est vraiment bien. Là, ça a pris 30 minutes. En réalité, si je joue pas en stream, je lis un peu plus rapide dans ma tête, tout ça. Ça va prendre un peu moins. Donc, je pense que ça prend 25 minutes, 20 minutes. Donc, c'est bien. Pour une intro, c'est parfait. D'accord.
Ça se traduit A Space for the Unbound. Comment est-ce que ça se traduit exactement? Sauvegarder? Ah bah oui, on va sauvegarder. Parce que je vois à peu près un espace pour le nom lié. Ouais, parce que pour moi, ça n'a pas vraiment de sens. Ouais. Ouais, Unbound, je vois, ouais, c'est. Bien, sauvegardons. Ah, c'est là-dessus qu'il faut que je sauvegarde, d'accord. Ça, c'était la sauvegarde auto, très bien. On peut faire tout plein de sauvegardes, ok. Très bien, très bien. Hé, hey, Atma! Allez, toi, espèce de paresseux. Alors, est-ce qu'il a rêvé tout ça? Ou est-ce qu'on va revenir en arrière? Hein? Où suis-je? Au lycée, idiot. Au lycée, comment? Ne me dis pas que tu dormais si profondément que t'en as perdu la mémoire. Alors, est-ce qu'il a été pris dans une boucle? Ah putain, mais ça serait typiquement le genre de jeu à ça. Est-ce qu'il est pris dans une boucle temporelle? Ou est-ce que. Ou est-ce qu'il est au purgatoire en quelque sorte? Je pense qu'il y a plusieurs options pour l'instant. Tu te souviens de moi quand même? Vous savez, un petit peu à la série Netflix. Oh, je sais plus, avec des cartes à jouer là, je sais plus comment elle s'appelle. C'est peut-être ça. Je ne sais plus. Oh, j'ai bouffé le nom de cette série. Enfin, vous l'avez. Vous l'aurez sûrement. Une série japonaise, je crois. Tu te souviens de moi quand même? La fille dans mon rêve. Qui es-tu? Ah, qu'est-ce qu'on lui dit? Oh là là, je sais pas. Ah, on va lui dire qu'on a rêvé d'elle, c'est quand même plus sympa que ouais, t'es qui? Surtout qu'elle a l'air de bien nous connaître et tout, donc. La fille de tes rêves? Bon. Ah bah, ça lui a pas plu. C'est bien pour ça qu'on sort ensemble, non? Et tu rougis. Ah, ça lui a fait plaisir. Je suis Raya, espèce de Loire. C'est sorti la trad FR. Ouais, Antoine, ouais. Là, on est sur Switch, hein, pour si tu poses la question. En fait, c'est un jeu ouais, que j'avais prévu de faire à l'époque, mais comme il n'y avait pas de version FR, je me suis dit, oh, je l'avais mis de côté, puis. Honnêtement, il m'était complètement sorti de la tête. Et c'est en voyant une rétrospective, je sais plus où. C'est-à-dire, c'est mes revenus, c'est une rétrospective. Mais alors, je sais plus où, je crois sur YouTube. Des jeux indés de l'année. Des jeux indés de l'année. Je l'avais complètement mis de côté et oublié, même, pour tout vous dire. Et là, j'ai vu... ouais, la version FR est sortie, donc ça vaut le coup, machin. C'est à faire. Et oui, je l'avais mis entre parenthèses, quoi, disons. Et voilà. Et du coup, ben, on le fait. Donc a priori c'est à pas rater comme jeu, donc pour l'instant c'est pas mal, pour l'instant c'est pas mal, c'est pas non plus, voilà. Mais on sait dans quoi on s'embarque, c'est un jeu narratif, il y a peu de gameplay, donc... faut le savoir, hein, c'est 20€ sur Switch, moi je l'ai pris sur Switch, voilà. À peine les yeux ouverts, tu oublies le prénom de ta petite amie. Si ça arrive à nouveau, je m'énerve très fort. Compris chef. Ma petite amie, hein. Je suis pas encore bien rêvé. C'était un sacré rêve. Quelle heure est-il? Bah les cours sont déjà finis. Tu dormais vraiment profondément. Ah bon? Je suis épuisé. J'ai pas l'impression d'avoir dormi. Que s'est-il passé? J'ai fait un drôle de rêve. Je n'arrive pas à l'oublier. Un drôle de rêve? J'espère que je n'y étais pas. À vrai dire, si. Allez, contente. On voyait ton visage dans le ciel. Et tu faisais un sourire bizarre, plutôt inquiétant. Et la lune de Majora's Mask, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Aucune idée. J'ai passé la journée à prendre des notes à ta place. Et tu me trouves inquiétante? C'est vraiment mal poli. Tu as pris des notes pour moi? Bien sûr, tiens. Oh, c'est très gentil. Merci, Raya. Ça a l'air d'être une chic fille, en tout cas. Alors, qu'est-ce que tu ferais sans moi? Raya! Monsieur Agung, désolé pour les prononciations. Il y en a qui s'offusquent, ne vous offusquez pas.
J'y vais à freestyle. Hein. Vous avez besoin de quelque chose pour les noms, hein, bien sûr. Tu n'as toujours pas fait ton entretien d'orientation. Oh, c'est vrai. Désolé, monsieur. Viens me voir dans la salle des maîtres dès que possible. Un élève modèle comme toi devrait planifier son avenir. Bien sûr. Tu ne l'as pas fait non plus, Atma. Mais moi, je suis pas un élève modèle, c'est ça? Pas fait quoi? Remplissez ce formulaire, tous les deux. Je vous attends dans la salle des maîtres. Bien, monsieur. Henri, qu'est-ce que c'est? Quoi donc? Pourquoi n'es-tu pas allé à l'entretien? Ouais, de toute façon, l'entretien d'orientation, c'est ce que c'est, nous. On va lui dire pourquoi. Ça doit être simple pour toi. Comme le dit monsieur Agung, tu es une élève modèle, après tout. Non, ce n'est pas simple. Tu n'en sais rien, toi non plus, tu n'as pas passé l'entretien. Je savais même pas qu'il y en avait un. Je n'arrive pas à m'en souvenir. À cause de tes rêves étranges. Ouais, sûrement. Oh, mon pauvre, en effet, ça a l'air épuisant. Et toi? Je n'ai rien décidé pour l'instant. Je suis embêté. Je n'aime pas quand les adultes s'intéressent à mon avenir. Ouais, moi non plus. Ils veulent juste qu'on devienne comme eux. Je veux choisir mon propre avenir, pas celui que les adultes trouvent acceptable ou utile. Je ne sais pas quel est l'avenir pour l'instant. Non. Eh oui. Je n'ai pas très envie de le faire maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ce formulaire, alors? Voyons. Alors. Ah oui, ils n'ont pas traduit le formulaire. Et si on le transformait en... ça. Atma a une bucket list. Ok, pourquoi pas. Liste de vœux. Épique liste de vœux, même. Écris tout ce que tu veux faire, même si c'est bête, ça reste des souhaits d'avenir. Qu'est-ce que je peux écrire? Ce qui devient. Alors, je vais commencer. Allez. Regarder un film avec Atma. Ah, ça va être des missions à faire? Oh, c'est intelligent, si c'est ça. Peu importe du moment qu'on est ensemble. Ah, elle est vraiment amoureuse. C'est un rendez-vous amoureux, donc. À ton tour, qu'est-ce que tu veux faire? On va choisir. Battre le meilleur score à Future Fighter. Pour récolter 20 capsules de bouteilles. Il doit y avoir un truc, j'imagine, dans leur pays avec les capsules de bouteilles, mais... On dit Future Fighter ou les capsules? J'imagine qu'il y a un truc en Indonésie avec les capsules de bouteilles et qu'ils les récupèrent pour se faire un peu d'argent. Ou... comme c'était le cas une époque chez nous aussi. Mais ouais. Je sais pas trop. Alors, on va dire... ouais, mais battre le meilleur score, ça va être chiant. Trouver les 20 capsules dans le... ouais, ça va être un... ouais, ça va être une mission. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Le mini-jeu de Future Fighter où on a envie de récupérer 20 capsules? Ça a l'air plus sympa. On va se balader dans le monde et tout. Je pense que ça a l'air plus sympa. Ça a l'air plus sympa. Seulement 20, ce n'est pas beaucoup. Ouais, je t'emmerde. Je t'emmerde. Sauf si ce sont des pièces uniques. Avant, j'avais une collection de mes capsules de bouteilles préférées. Ouais, ça va être sympa. Ça va être un collectible. Ouais, c'est plus sympa que les machins. Je les ai plus, alors je veux refaire une collection. Est-ce qu'elles ont de la valeur? Mais on s'en fout de ça. Plutôt une valeur sentimentale, je dirais. À toi. Adopter un chat. Ah, ça, on en a vu plein, des chats. Leur fourrure, leur rendement, leur petite patounette. Ouais. Ok, elle aime les chats. C'est... je peux ronronner aussi, si tu veux. Ouais, qu'il est con. Je vais faire comme si j'avais pas entendu. À ton tour. Ouais, vaut mieux. Mais on veut pas battre le meilleur score à Future Fighter, non, on veut vraiment récolter les 5 lettres de Yeoman. Ouais, ça m'a l'air bien. La marque de chewing-gum? Chaque emballage contient une lettre au mot du mot Yeoman. Ah, d'accord. D'accord, d'accord. Là, je croyais des lettres, quoi. Ok. Il paraît qu'on peut gagner un prix incroyable quand on les trouve toutes. Très bien. Un vélo? Ah bah, très bien. Et après, on se déplacera encore plus vite dans la ville. C'est possible, hein. Ce qui compte, c'est la chasse aux lettres. Allez. Moi, quand j'étais, je collectionnais les canettes. Ah ouais, bah oui.
Oh, t'as pas été le seul à le faire. Il y en a qui le font encore, d'ailleurs. Faut choisir le plus facile. Ah non, faut choisir ce qu'on a envie de faire. T'as pas entendu, elle l'a dit. Elle a dit, faut choisir ce qu'on veut faire dans la vie parce que les autres, ils veulent que tu fasses. Elle l'a dit, hein. Comment elle s'appelle, je sais même plus. Riot. Quelque chose de délicieux. Tu as une envie particulière? Ouais, je veux manger des gâteaux. Manger une forêt noire en... j'étais pas loin. En entier. D'accord, donc manger une forêt noire. Mais c'est sympa, cette bucket list de ce qu'on va faire dans le jeu. C'est rigolo. Ah non, je veux pas. Non, non, ça c'est pourri. On va faire Future Fighter. Battre le meilleur score à Future Fighter. Pleurer, écouter de la musique et pleurer, c'est un peu naze. Ouais, c'est mon jeu d'arcade préféré. Le meilleur score est très dur à battre, c'est connu. Bonne chance, mon héros. J'étais petit. Ouais, mais j'avais bien compris. Et ensuite, Ryan. Mais il y en a qui continuent. Organiser une fête. Genre une fête de mariage. Alors, écouter de la musique en pleurant toutes les larmes de mon corps ou caresser l'animal le plus douillet du monde. Alors, on va essayer de trouver l'animal le plus douillet du monde, ça me paraît bien. Je sais pas ce que c'est le plus douillet. Je sais pas trop non plus. Bah lui non plus. Donc ça nous arrange pas. Donc il faudra qu'on caresse tous les animaux de la ville. Eh bah très bien. Le douilletosaure rôde toujours à travers les rues. Ah bah oui, tu m'étonnes. Je pense que tu passes trop de temps à rêver, Atma. Oui, mais quel animal? Ah bah je sais pas, on va le trouver. Hein. Le douilletosaure, t'as vu, Gérard? Arthur, il a dit, c'est le douilletosaure qui traîne dans les rues. Donc il faut qu'on trouve le douilletosaure. Tirer des feux d'artifice. Ah ça c'est cool ça. Ouais, j'en ai tiré souvent des feux d'artifice, enfin souvent, pas souvent, mais de temps en temps. J'aime bien aussi Laurent. Ah bah de toute façon, on n'a plus que ça, donc en fait, ouais, en fait, à la fin, t'arrives à tout, quoi. Moi, je pensais pas que ça te ferait plaisir de pleurer. L'intérêt n'est pas de pleurer, c'est écouter de la musique ou lire un livre et ressentir une émotion si forte que ça fait quelque chose. T'as jamais ressenti ça? Ça fait bien longtemps que je n'ai pas été ému en lisant ou en écoutant quelque chose. Est-ce qu'on aurait autre chose à y ajouter? Rien de spécial, même bien. Bah écoutez, c'était sympa cette petite séquence. Découvrir un trésor précieux. Ah bah oui, pourquoi pas. C'est un mystère ce qui le rend si spécial. Ok. J'aimerais qu'on puisse donner cette liste à l'entretien. Pourquoi fais-tu cette tête? C'est que c'est bientôt la fin du lycée. C'est comme si avec la fin des cours... La fin du monde arrivait aussi. Oh, je veux plus entendre parler de ce stupide entretien d'orientation. On va y arriver. On va y arriver. Ah, pour l'instant, c'est cool. Hein. Si on faisait plutôt quelque chose sur notre liste maintenant. Ah, elle veut qu'on a... Elle veut qu'elle... elle veut commencer la liste. Eh bien, commençons la liste, mon ami. C'est notre petite amie. Donc, on est des amoureux. Écoutez, pour l'instant, c'est vraiment cool. Hein. J'aime bien l'ambiance. Maintenant, tu veux dire tout de suite, ça change complètement de ce qu'on fait d'habitude. Ce serait super, allez. Fais-le pour ta petite amie. Ça change, par exemple, de Blasphemous 2, par exemple. D'accord, qu'est-ce que tu veux faire? Ah, aller au cinéma, on va aller voir le film. Ouais, c'est chaud l'entretien d'orientation. C'est chier les cours, monsieur Agung vient de dire que tu étais une élève modèle. Une élève modèle, pas une esclave. Je veux sécher les cours de temps en temps. Et vivre la vie. Si tu le dis. Oh, j'ai tellement hâte de sécher l'entretien d'orientation. Tu le fais régulièrement, Atma. Explique-moi comment on fait pour sécher les cours. Ah ben, on se barre, hein, tout simplement. Vous l'avez jamais fait, vous? Moi, j'ai fait de temps en temps. Ça m'est arrivé souvent. Enfin, souvent. Oh, pas hyper... ouais, on était pas loin en même temps. On était au bar en bas. Mais bon. On allait voir chez la Nini. On allait voir des pichettes blanc pêche. C'était la bonne époque et on jouait à la coinche. On jouait à la coinche et on buvait des blancs pêches toute l'après-midi. De 14 à 17. Heureusement, on rentrait en bus à cette époque-là parce que, nom de Dieu, je ne dis pas. Si on avait eu une voiture. Oh là 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 là. On commence par ne pas l'annoncer aussi fort. Eh oui. Faut pas le dire quand tu sèches les cours. D'accord, et après? Prends ton sac, on file. On sort comme ça? Bah oui. Bah oui, faut le faire avec assurance. Genre, ouais, genre, t'as rien à te reprocher, tout va bien. Attends-moi. Ok, on peut récupérer. Par contre, on est que sur un seul plan.
Uraya tout craché. Ah, mais chacun... Et un chat en plus. Ah, c'est peut-être ça, alors, le... Non, c'est pas ça, le... Ça, c'est le bureau de qui? Les emballages de gâteaux. Mais c'est une bouteille de soda en édition limitée. Mince, elle est vide. Oh, putain. On a raté la bouteille de soda. Attendez, il y a un truc à récupérer. Cola, cola, édition. Édition Coupe du Monde très sportive. Oh, on a récupéré quoi? Une capsule? Attendez, c'est dans quoi? Ah, j'ai pas de menu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment on fait pour savoir ce qu'on a trouvé? Rien, on peut pas savoir. Ok. Et l'autre, il fait pareil. Start et select, ça fait pareil. Bon, bah écoutez, sortons. Ah, moi, j'étais pas un élève modèle. J'étais pas un élève non plus turbulent, hein, mais... Mais... J'étais pas modèle. Disons qu'on faisait des conneries, mais c'était jamais grave. On n'était pas des foufous, quoi. Ouais, on était des jeunes cons, voilà. C'est tout. Où est passé Raya? J'imaginais passer rapide. Bah, elle est déjà partie. Hein. Si, je l'ai fait pendant les grèves. Ah, pas que pendant les grèves. Ah, on va tromper notre petite amie à tous les coups. Le Spider-Man, parce que tout simplement, j'ai pas de PlayStation. Et que ça m'intéresse pas. Mais Spider-Man, de toute façon, même... Même si j'avais une PlayStation, j'aurais pas joué à Spider-Man. Hein. Ça m'intéresse pas du tout. Mais faites-vous plaisir, hein. Si vous kiffez, tant mieux. Hein. Mais moi, j'aime pas trop les jeux. Mais ce que j'ai déjà dit, hein, les jeux Sony, c'est pas du tout ma tasse de thé, ce qui explique pourquoi j'ai pas de PlayStation. Hein. Mais voilà, mais j'ai quand même aimé Last of Us, le premier. J'ai aimé quelques jeux hein, quand même sur PlayStation. J'ai eu une PS3, on m'a prêté une PS4, j'ai fait quelques jeux. Voilà, mais voilà, ouais. Mais globalement, je suis pas fan des productions. C'est con. Ah bah, c'est con, non, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Je suis désolé, est-ce que tu t'es fait mal? Je vais bien, merci à toi. Je crois bien que oui. Regarde, tu as fait tomber ton livre. Ah, c'est le livre rouge magique? Parce que j'ai déjà Atma et Raya. Oh, elle nous espionne? Ce n'est pas mon livre. Pas bizarre, c'est pas le mien non plus. Attends, j'ai comme l'impression d'avoir déjà vu ce livre quelque part. Après, ouais, j'ai eu une PS3. J'ai fait quelque chose. Par exemple, les Uncharted, j'aime pas, tu vois. J'ai essayé, hein. Je dois même encore les avoir à la maison. Mais ouais, voilà, c'est pas... Mais la PS3, pour tout vous dire, hein, je l'avais acheté pour Top Spin 4. Hein. Est-ce que c'était dans mon rêve? Je sais pas trop. Ouais, il y a ton nom sur la couverture. Comment? Atma, c'est toi, non? Oui, mais comment est-ce possible? T'es sûr qu'il est pas toi? Voyons voir. Oh, si je me souviens bien, je suis arrivé seulement avec mes vêtements, mes lunettes, mon élastique dans les cheveux. Mais alors, est-ce que ça serait l'autre... comment elle s'appelait? Je sais plus quoi. Je n'ai pas apporté de livre, les miens sont à la bibliothèque. Ça peut pas. C'est... Non, il y a notre nom dessus. Bon, on va lui dire ça. Peut-être que quelqu'un d'autre l'a fait tomber. Je me demande si c'est pas la fille qu'on avait dans notre rêve, la gamine. Alors, mais attendez, ça serait fou. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je suis sûr qu'il y a un truc bizarre. Hein. Il y a ton nom dessus. Ouais, c'est vrai. C'est curieux que tu prétendes que ce livre n'est pas à toi. Le livre existe clairement. Il y a ton nom dessus, mais tu penses qu'il ne t'appartient pas. Ouais, je sais plus comment elle s'appelait. Mais ah, je sais plus. J'allais dire Altimia, mais non, Altimia, c'est quelqu'un qui est du chat, quelqu'un qui vient sur la chaîne, mais je crois que c'est un nom comme ça. Ah, je sais plus. Mal aux dents, ah bah ça arrive. Peut-être que tu souffres d'amnésie, ça peut arriver après un choc violent à la tête. Mais je marchais de la cour vers la bibliothèque à une allure modérée. Tu n'aurais pas pu subir un traumatisme crânien en te cognant dans une fille plus légère que toi. Si ce n'est pas une amnésie, soit tu es en plein délire, soit tu mens. Moi, c'est clair. Désolé, parfois je parle trop. Ouais, sans blague. Ce que je veux dire, c'est qu'il paraît plus plausible que ce livre t'appartient, même si tu ne t'en souviens pas, toi. D'accord.
Non, tu connais mon nom? Nous sommes dans la même classe, tu as oublié? Ah, c'est vrai. Tu dors tout le temps, ce n'est pas étonnant que tu ne me reconnaisses pas. Mais c'est tout de même mal poli. Oh, cette fille, est-ce qu'elle est en train de me prendre de haut? N'importe quoi, je sais qui tu es. Tu es... camarade de classe. Je l'aime bien, lui. Lui, je l'aime bien, me fait rire. Tu n'en as aucune idée, c'est ça? Non, désolé, comment tu t'appelles? Mon nom est Marine. Moi, c'est Atma. Mais ça, je le sais. Bon, je dois y aller. Prends soin de ton livre, Atma. Mais ce n'est pas... Je veux dire, bien sûr. Allez, les grèves anti... Putain, je sais plus quelle année c'était. Mais... Ah, des grèves, j'en ai fait quelques-unes. J'avais fait les grèves... Qu'est-ce que j'avais fait? Je sais plus, je sais plus. En même temps, à cette époque-là, je m'en foutais complètement. Hein. Du moment que j'allais pas en cours, c'était... Mais en même temps, moi, après, j'étais apprenti et au lycée professionnel, donc c'était un petit peu différent. On était moins concernés, on va dire, par tout ça. On allait moins à l'école, tu vois, donc... Je me souviens pas l'avoir lu dans mon rêve. Et je peux bien y jeter un œil. Ah, je tombe. Ah, nickel, ça y est, bah, c'était ce que je cherchais. Ah, ce livre doit appartenir à quelqu'un d'organisé, pas comme moi. D'accord, en tout cas, ça fait un bon moyen de conserver la liste de vœux écrite avec Raya. Je me sens déjà plein de motivation. Ah, mais c'est assez cool. Ah, trop bien. Oh, trop bien. Une carte de Loca City. Ah, c'est stylé. Superbe, la collection, mais nickel. Ah, oh, superbe. Bizarre, il y a plein de pages manquantes dans cette partie. Les pages ont été déchirées. Cool. Peut-être que ça a un rapport avec ce rêve terrible que j'ai fait. Enfin, garder un carnet de notes, ça ne peut pas faire de mal. On pourrait même l'utiliser pour gagner le pouvoir dont j'ai rêvé. Quelle mauvaise blague, c'est la vraie ville. Oh, cool. Cool, 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 cool. Et comment on fait pour changer de page, là? On peut pas changer de page. J'ai qu'une page, c'est ça que ça veut dire? Ah, c'est toute l'histoire qu'on a vue, là? Et il y en a 13? D'accord. Donc ça, c'est notre collection. Je peux cliquer dessus. Ouais, mais je les vois pas. Notre inventaire. Donc, on n'a rien dans notre inventaire. La carte. Ok, donc là, c'est la classe, la bibliothèque, le cinéma... Ok, d'accord, mais c'est stylé. On va avoir plein de choses à faire. Attendez, c'était quoi en bas? Le marais. Cybercafé. Cool, cool, cool. La rivière. Attendez, il y a un truc tout en haut là. Je peux pas y aller tout en haut à gauche. Je peux pas y aller. Non, mais ça c'est cool, ça. Oh, c'est vraiment bien. Du coup, c'est très très sympa. Ah. Il y a déjà un truc. Il y a un mot peinture fraîche ne pas passer. Ah, c'est pas mal. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça plutôt pas mal. Raya, où es-tu? Est-ce qu'elle est déjà partie? Vous osez sécher les cours de l'après-midi? Mince, elle s'est fait choper. Ah non, c'est eux. Oh, on était enfin... On allait aux toilettes, monsieur? Ah mais ça c'est l'excuse pourrie, tu vas aux toilettes toi. Tu as Goong, on voulait acheter un goûter. Vous savez pourquoi vous avez classe l'après-midi? Pour votre bien. Mais les autres élèves aussi sèchent. Chut, idiot. Comment? Et vous les avez laissés partir? Vous êtes encore si jeune, avez-vous pensé à ce que sera votre avenir si vous passez votre jeunesse ainsi? Savez-vous qui aimait sécher les cours? Les politiques corrompus. Ah ouais, mais ah ouais, il est pas dans l'exagération lui. Vous voulez devenir des truands, aller en prison et décevoir vos parents? Les cours de l'après-midi, c'est un peu la prison. Je vous ai entendu. Ah, impossible de quitter le lycée par la porte. N'importe qui ferait demi-tour en entendant M. Agung hurler comme ça. Je vais devoir trouver un autre passage. Ah, écoutez, on va arrêter un épisode de Rediff ici. Donc, pour la Rediff, c'était la découverte, dirons-nous, de A Space for the Unbound. Bah, écoutez, pour l'instant, je suis plutôt agréablement surpris. C'est plutôt sympathique. J'aime bien. J'aime bien. Voilà. On se revoit très rapidement pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Et à bientôt. Ciao, ciao. Bye bye.